Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo de recette ultra simple. Alors aujourd'hui, je vous présente des pancakes à base de flocons d'avoine. Donc c'est vraiment hyper facile parce qu'il n'y a que 5 ingrédients. Alors je commence par prendre des flocons d'avoine, donc c'est une tasse. Et puis je vais les broyer dans un mixeur. Et puis je laisse en fait une petite partie de flocons d'avoine entier juste pour avoir plus de texture. Vous pouvez aussi prendre de la farine d'avoine directement, mais je trouve ça plus facile d'avoir juste un ingrédient. Alors ensuite, je vais rajouter une petite pincée de sel. Je prends une demi-cuillère à café de poudre à lever, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça donne un mauvais goût. Après, je prends une cuillère à café de bicarbonate de soude et ensuite un œuf. Que je vais battre dans un autre bol avec du lait végétal. Vous pourrez prendre du lait d'amande, du lait de coco, du lait d'avoine, du lait de petit épeautre, tout ce que vous voulez. Moi, je fais mon lait d'amande maison. Après, j'ajoute donc les ingrédients humides sur les ingrédients secs et puis je rajoute un peu d'huile de coco et de beurre fondu. Donc 3 cuillères à soupe en tout. Et puis je laisse reposer un peu au frigo. Au moins une heure de préférence, et puis je vais faire mes petits pancakes. Et pendant que je cuis mes petits pancakes, je peux rajouter durant la cuisson des pépites de chocolat ou bien des fruits rouges ou bien encore des flocons de coco. C'est vraiment trop bon. Vous pouvez les rajouter directement dans la poêle sur le pancake. Et après, je vais rajouter plein de choses dessus, du sirop d'érable évidemment, des bananes, des amandes effilées, et voilà. Un super petit déjeuner pauvre en gluten et hyper rassasiant et super gourmand pour le week-end. Abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous, ciao ciao.